Chère communauté des vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Subtank Mini V2 de chez Kangertech. Pour commencer, je vais vous présenter son emballage ainsi que son contenu. Ensuite, je vais effectuer le montage complet du plateau RBA. Puis, je vais terminer par la conclusion des avantages et inconvénients du Subtank, ainsi que le test de celui-ci. À présent, il est temps de passer en gros plan afin que je puisse vous le présenter correctement. Voici donc notre Subtank Mini V2 dans son packaging d'origine. Nous allons faire le tour de celui-ci. Ici, nous avons notre Subtank Mini en photo dans le logo de Kangertech avec son nom. Au-dessus, nous retrouvons les différents coloris disponibles sur le marché, soit en noir, en bleu, en argenté et en blanc. Ici, nous retrouvons l'interdiction aux femmes enceintes, l'interdiction aux moins de 18 ans, la norme européenne, les conditions de recyclage, ainsi que l'étiquette permettant la vérification d'authenticité de votre Subtank chez Kangertech. À l'arrière, nous retrouvons la marque du fabricant, le code barre et son copyright. À présent, passons à l'intérieur de notre packaging. Nous y retrouvons une note explicative en anglais, puis en français, vous indiquant les précautions avant utilisation, soit le fait d'imbiber votre mèche au préalable, ainsi que des conseils d'utilisation en watts par rapport au type de résistance utilisé fourni dans le packaging en fonction du taux de glycérine végétale de votre liquide. Ici, nous retrouvons notre Subtank Mini de Kangertech. À l'intérieur du coffret, nous allons retrouver une note explicative en anglais vous donnant les informations nécessaires à la vérification d'authenticité de votre Subtank de Kangertech à l'aide de l'étiquette indiquée sur le packaging. Nous retrouvons aussi une note explicative détaillée et illustrée en anglais, puis en français. Nous y trouverons un petit paquet contenant du coton vous permettant de monter votre plateau RBA. Nous y retrouverons un petit sachet contenant des joints de remplacement pour votre Subtank, un petit tournevis cruciforme, un coil déjà préparé vous permettant le remplacement de votre coil de votre plateau RBA, deux vis de remplacement vous permettant le remplacement de la vis de fixation de la cloche RBA, ainsi que deux vis de remplacement vous permettant le remplacement des vis de fixation de votre coil sur votre plateau RBA. À l'intérieur, nous y trouverons aussi un pyrex de remplacement, le plateau RBA que voici, avec une résistance montée au préalable à l'intérieur. Et une résistance de 1,2 ohm, que voici, pouvant être utilisée de 10 à 26 watts.
Passons à présent à notre substance. Le subtank fait une hauteur de 48,5 mm, sans compter le pin de connexion 510 d'une longueur de 5,5 mm, ainsi que son drip tip de type 510. Le réservoir est en Pyrex, il peut contenir jusqu'à 4,5 ml et 4,2 ml en configuration RBA. Son poids est de 60,4 g et son diamètre est de 22 mm. L'airflow peut être réglé comme ceci avec une grande ouverture, réglable à volonté selon vos souhaits. Ainsi que deux trous d'un différent diamètre, ici d'un tout petit diamètre, et ici d'un diamètre légèrement plus grand. Le Subtank Mini est monté au préalable avec une résistance de 0,5 ohm que voici. Attention, cette résistance ne peut pas être utilisée avec toutes les boxes du marché. Il vous est donc conseillé de vérifier si votre box peut l'utiliser au préalable. Si ce n'est pas le cas, il vous est conseillé d'utiliser la résistance de 1,2 ohm qui est utilisable de 10 à 20 watts. La résistance de 0,5 ohm est utilisable de 15 à 60 watts. Il vous est conseillé de retirer le Pyrex de votre subtank avant utilisation, car il est très difficile de détacher le Pyrex la première fois, et cela rendra la tâche encore plus compliquée lorsque votre subtank aura été utilisé. Personnellement, pour le montage et le test de notre Subtank Mini, je vais utiliser notre plateau RBA. Nous allons donc passer au montage de notre plateau RBA. Une résistance est déjà montée au préalable avec un fil en cantal de 0,3 mm si je ne me trompe pas. Personnellement, je vais utiliser un fil de 26 gauges, soit en 0,4 mm, car je n'utilise jamais les résistances déjà fournies sur les matériaux. Toutefois, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Je vais utiliser mon ohmmètre ILIF pour effectuer le montage de notre plateau RBA afin de le faire d'une manière plus aisée et de vérifier sa puissance en ohm. Tout d'abord, je vais couper un bout de fil d'environ une dizaine de centimètres afin d'effectuer mon montage de manière assez aisée. J'utilise un fil de 26 gauges en 0,4 mm en cantal. Je vais me servir
d'une tige afin d'effectuer mes coils. En l'occurrence, je vais faire un coil de 2,5 mm. Soit vous pouvez utiliser une mèche de 2,5 mm ou n'importe quelle barre de 2,5 mm. Soit utiliser une tige comme ceci ou un kit pour coil, etc. Je vais effectuer 5 tours. Mon coil est actuellement pas dans une bonne forme. Je vais me servir de deux pinces. Comme ceci, hors champ de caméra, afin d'effectuer une tension sur mon coil pour le resserrer un petit peu et améliorer mes tours. Voici notre coil qui ressemble un petit peu à quelque chose. Vous tirez au préalable, vérifiez que vos spires soient assez serrées. À présent, nous allons chauffer celui-ci à l'aide d'un briquet. Afin de pouvoir resserrer un petit peu les tours de notre coil, nous ayons des spires moins espacées. Attention, j'utilise uniquement le cône de chaleur pour chauffer ma résistance afin de ne pas la souiller. Voici le résultat de notre coil avant de le monter sur notre plateau. Je vais tout d'abord glisser l'une des pattes dans mon plateau. Nous allons serrer correctement notre coil sur notre plateau. Si vous avez une pince précise, vous pouvez couper votre coil à ras. Et dans le cas contraire, vous pouvez tournez votre coil, il devrait se couper de lui-même. Je vais à présent faire un premier test de résistance.
Apparemment, il m'indique 0,21 ohms. Nous allons essayer de replacer notre coil correctement dans notre RBA et la surélever légèrement afin que ça n'aille pas boucher le trou de notre plateau RBA. À présent, je me retrouve avec une résistance de 0,70 ohms, ce qui me convient tout à fait. Nous allons la passer sur une box afin de terminer le travail de notre coil. Dans un premier temps, nous allons effectuer quelques pulsations afin d'éliminer les dépôts d'usinage. Je vais en profiter pour resserrer un peu celui-ci. Et je vais revérifier une dernière fois sur mon ohmmètre la résistance. Nous sommes toujours à 0,70 ohms, 0,71 ohms. À présent, je prends un bout de coton. En l'occurrence, ceci, c'est un coton bio. Vous pouvez utiliser les cotons que vous souhaitez, Fiberfix, etc. Je vais les placer à l'intérieur de ma résistance. Je vais dévisser le dessus de la cloche RBA afin de travailler mon coton. Je vais refixer la cloche de la RBA en serrant la vis de côté permettant de maintenir celui-ci. Je vais couper une hauteur d'environ 5 mm au-dessus du plateau. Remettre le coton à l'intérieur de la cloche afin de remplir les deux bords de notre cloche.
Et nous voilà avec un plateau RBA de notre substance correctement monté. À présent, la résistance se trouve toujours à 0,71 ohm. Je vais imbiber notre résistance avec du Strawberry Cream de Custard Mixed. Voici. Il y a pas mal de temps que je n'ai plus vapé ce produit. Ça me fera donc plaisir de le réutiliser. Il vous faudra donc imbiber les bords de votre coton, patientez un petit peu, que le liquide descende un peu à l'intérieur de votre coton. Vous pouvez aussi légèrement accélérer ce processus à l'aide de votre box qui vous permettra de tester celui-ci. Attention à bien mettre du liquide avant de tester votre mèche sur votre box. Je vais pouvoir remonter le haut de ma cloche RBA. Ma box indique 0,62 ohms. Toutefois, c'est une Clopower Mini et d'après beaucoup de personnes, la Clopower indique toujours des résistances plus basses qu'elles ne le sont. Personnellement, je me retrouve toujours avec une différence de 10 environ sur la Clopower, de 0,10. Nous allons à présent remplir notre réservoir. Attention à ne pas dépasser la hauteur de la cheminée, car sinon, évidemment, ça va couler à l'intérieur de celle-ci. Nous allons à présent passer en plan normal afin d'effectuer le test.
Il est temps de parler des avantages et inconvénients du Subtank Mini de chez Kongertech. Pour ses points forts, il a un réservoir en Pyrex qui peut contenir jusqu'à 4,5 ml, ce qui est un avantage pour la durée d'utilisation, les arômes et le nettoyage. Il a un airflow réglable particulier qui permet l'inspiration orale directe ou indirecte. Il a un excellent rendu des saveurs. Il est entièrement démontable pour le nettoyage. Il est fourni avec sa RBA ainsi que tout le nécessaire. Son emballage contient toutes les pièces de rechange pouvant être endommagées couramment. Pour ses points faibles, on ne peut pas le remplir par le haut du tank. Il faut donc le démonter de la box pour l'ouvrir afin de pouvoir le remplir à l'envers. Son pin de connexion est non réglable. À présent, un petit test. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la vapeur, il n'y a aucun problème. Personnellement, de mon côté, je peux vous dire qu'il a un excellent rendu de saveur. À présent, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous souhaite une bonne continuation ainsi qu'une bonne vape à tous. Et à la prochaine !